بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، d'abord on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se rencontrer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et de la pratique. Inna a'zama ni'matin an'ama Allah subhanahu wa ta'ala biha ala ahli al-ard bi'thatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khatam an-nabiyyin. Qala ta'ala laqad manna Allah ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits qu'Allah azza wa jal, avec lesquels Allah a comblé l'humanité en général et les musulmans en particulier, c'est d'avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la fin des temps. Allah azza wa jal dit dans le Coran, Allah a très certainement comblé les croyants en envoyant un prophète parmi eux. Parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est affecté par leurs difficultés, la difficulté des croyants. Harisun alaykum, qui est soucieux de leur cas. Bil mu'minin raufur rahim, et avec les croyants, il est doux et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer le bienfait de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit هو الذي بعث في الأميين. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a envoyé chez les analphabètes, les Arabes, un prophète parmi eux, qui leur récite des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur apprend le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement manifeste. Donc l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُسْوَةً وَقُدْوَةً حَسَنًا. قال الله عز وجل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. ويقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى التأسي به. انتهى كلامه. الله سبحانه وتعالى a qualifié le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم comme étant le modèle et l'exemple parfait à suivre, aussi bien pour les musulmans, mais aussi bien pour l'humanité. Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète, il dit, il y a vraiment dans le prophète d'Allah un bel exemple pour celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Et l'imam Ibn Kathir, qui est un savant qui explique le Coran al-Karim, il a un tafsir, tafsir le Coran al-Karim, il dit à propos de ce verset, il dit, ce verset est un fondement très important
sur le fait d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ses propos, que ce soit dans ses actes, ou que ce soit dans ses situations en général. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le prendre comme modèle et de l'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فموضوع الحديث معكم اليوم إن شاء الله يكون في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفتها والتحذير من البدع في الدين والرد على بعض الشبهات حول السنة. Donc aujourd'hui, tout d'abord, le sujet sera sur la sunna du prophète sallam. Donc tout d'abord, on va citer des versets et des hadiths et des paroles des sahaba radiallahu anhum, des compagnons du prophète, et des salaf salih et des imams, des grands imams de cette communauté, concernant l'importance de la sunna et l'importance de suivre la sunna du prophète sallam. Ensuite, on va citer les versets et les hadiths et les paroles des sahaba et des tabi'in et des grands imams de l'islam sur le danger, خطر البدعة, sur le danger de la bid'a, de l'innovation religieuse et du danger de mukhalafat sunnah, le fait de diverger avec la sunnah du prophète. On va parler du danger de la bid'a, innover dans la religion d'Allah, et on va parler de mukhalafat sunnah, faire le contraire de la sunnah ou être en désaccord avec la sunnah du prophète dans notre vie. Et enfin, on va donner des réponses à quelques ambiguïtés, shubuhat, concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certains veulent mettre dans l'esprit des musulmans pour les faire fuir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans la sunna du prophète, tu ne peux pas comprendre ta religion. Mais avant tout, awwalan wa qabla kulli shay, avant tout, avant de rentrer dans ce sujet-là, il est indispensable, nécessaire et important de savoir ce que veut dire la sunna. Qu'est-ce que veut dire la sunna? Et que ce que veut dire le mot bid'a, pour ensuite suivre la sunna et s'écarter de la bid'a. As-sunna, ma hiya sunna? Que veut dire la sunna? C'est un terme qu'aujourd'hui les musulmans utilisent, mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas le sens de la sunna. Ou parfois, ils utilisent le mot sunna dans un autre contexte qu'il est le sien. Et ça prête à des confusions et des ambiguïtés. As-sunnatu lughatan hiya at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat aw mahmuda. Sunna en arabe, le mot sunna, sanna ya sunna, sunnan, c'est le fait de... Sunna, c'est la voie, le chemin. Que cette voie soit bonne ou que cette voie soit mauvaise. En arabe, on appelle ça sunna. Et on retrouve le sens de mot sunna, dans le sens le chemin bon ou mauvais, dans le hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man sanna, sanna ya sunnu sunnatan. Man sanna fil islami sunnatan, فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. Dans ce hadith, il nous dit, celui qui suit une bonne voie ou qui fait une bonne action, on va plutôt utiliser le mot voie. Celui qui suit une bonne voie, qui fait une bonne voie, il aura la récompense de l'avoir fait et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans cette bonne voie. Et celui qui suit une mauvaise voie, donc en arabe sunna sayyi'a, il aura le péché et le fardeau d'avoir fait cette mauvaise sunna, cette mauvaise voie, d'avoir pris cette mauvaise voie, cette mauvaise action, et aussi le fardeau de tous ceux qui, après lui, auront fait cette sunna sayya, cette mauvaise sunna. Donc de là, on comprend que sunna, c'est le chemin, il peut être hasana, il peut être bon, comme il peut être sayya, il peut être mauvais.
Mais ce n'est pas cette terminologie qui nous intéresse. Nous, la terminologie qui nous intéresse, c'est la terminologie du mot sunna en islam. Qu'est-ce que veut dire le mot sunna en islam? Mais les savants, dans leurs livres, ils expliquent souvent, pour expliquer un mot, un terme en islam, ils expliquent son sens dans la langue arabe. لفظ سنة في الشرع هو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أكان ذلك قولا أو فعلا أو تقريرا. Dans la charia, lorsque vous allez entendre le mot sunna, c'est tout ce que le prophète a demandé de faire ou nous a demandé de ne pas faire, que ça soit une parole, que ça soit un acte ou que ça soit une approbation du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est ça en règle générale la sunna. Et ensuite, on trouvera لقد اختلف العلماء في تعريفهم الاصطلاح في السنة بسبب اختلاف اختصاصاتهم وأهدافهم العلمية. Ensuite, les savants, en fonction de leur branche, leur spécialité, ils ont donné au mot sunna des explications, des définitions différentes. Par exemple, on va trouver chez Al-Usuliyoun. C'est les gens qui s'intéressent au usul. C'est-à-dire, ils regardent les actes du prophète, les paroles du prophète, les situations du prophète, les approbations du prophète, pour en tirer un hukm shar'i. Eux, ce qui les intéresse, c'est tirer des ahkam shar'i, des lois, des règles religieuses sur tel acte, telle parole, ou telle situation que le prophète a approuvée ou pas. Pour dire que telle chose est obligatoire, telle chose est interdite, telle chose est permise, telle chose est recommandée, telle chose est détestée. Ça, on appelle ça al-usuliyoun. Donc pour eux, la sunna, c'est toute parole, tout acte, toute approbation du prophète qui permet d'en tirer quoi? Un hukm shar'i, une règle religieuse. Ensuite, ça c'est chez al-usuliyoun. Chez al-fuqaha, al-sunna hiya kullu ma thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri al-fard wal-wajib. فإذن هو المستحب. La sunna chez les gens, les fuqaha, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire dans la religion, et c'est ce qu'on appelle nous mustahab. On dit qu'une chose est mustahab. Par exemple, l'utilisation du siwak, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Par exemple, le fait de prendre de la main droite, donner de la main droite, c'est mustahab, c'est pas obligatoire. C'est dans le sens quelque chose qui fait partie de la voie du prophète, mais qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, et dernièrement, عند المحدثين, chez les gens du hadith, et c'est tous des savants, al-usuliyoun ou al-fuqaha ou al-muhaddithoun, c'est tous des savants d'islam, seulement ils ont des spécialités, eux ils s'attardent plus, chacun s'attarde sur sa spécialité, mais ils travaillent tous dans le même sens. C'est le muhaddithoun, donc les gens du hadith, qui s'intéressent au hadith, dans sa chaîne de transmission et dans son maître, dans son texte, pour savoir si ce hadith il est authentique ou pas, et les rijal, à chaque niveau de la chaîne, qui est cette personne qui a rapporté une information, eux c'est les muhadith, ils s'intéressent à ça. Eux, la sunna chez eux, c'est « كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية أو خلقية. » Eux, c'est pour eux la sunna, c'est tout ce qui nous est parvenu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit des paroles, que ce soit des actes, ou que ce soit des approbations, ou même des traits physiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou des caractères du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son comportement, comment il était. Jusqu'à même, ils nous ont ramené comment s'appelait la chamelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète s'habillait, ce que le prophète aimait manger, ce que le prophète n'aimait. Tout ça. Ils nous ont vraiment tout ramené. Donc de là, يتبين من خلال هذه التعريفات أن أوسعها هو تعريف المحدثين. La définition la plus générale de la sunna, c'est la définition des muhaddithin. C'est la dernière qu'on a citée. Mais ce qu'il faut retenir, ce serait bien de tout retenir, mais entre autres, ce qu'il faudrait retenir, c'est السنة هي الهدي الذي كان عليه رسول الله وأصحابه علما واعتقادا وقولا وفعلا وتقريرا. C'est la voie, le chemin que le prophète sallam a pris ainsi que ses compagnons, que ça soit dans la science, que ça soit dans la croyance,
que ce soit dans les propos, ou que ce soit dans la pratique, dans les actes, ou que ce soit dans les approbations. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. Maintenant, pour ce qui est de la bid'a, al-bid'atu, qu'on ne va traduire par l'innovation religieuse, al-bid'atu hiya al-amru al-mustahdath wal-ikhtira'u ala ghayri mithal sabiq. On va revenir après. On va terminer ça. On retient ceux qui ont des questions, Inch'Allah, on va les retenir à la fin. Parce que peut-être qu'en traitant le sujet, peut-être les questions, on trouvera des réponses. Par exemple, la question que le frère a posée, il y a la réponse dans le sujet. Et à la fin, Inch'Allah, on traitera de ça. Donc, al-bid'atu, c'est al-amr al-mustahdaf. C'est la nouveauté. Dans la langue arabe, c'est la nouveauté. Quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant. Et on retrouve ce sens dans la parole d'Allah, badi'u as-samawati wal-ard, badi' bid'a. Badi' dans le sens le créateur, celui qui a innové, qui a créé les ciels et la terre. Avant ça n'existait pas les ciels et la terre. Les cieux et la terre. Aussi lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran à propos du prophète, ma kuntu qul, ma kuntu bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas une bid'an, une nouveauté dans la prophétie, dans le sens où avant moi Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des prophètes, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est ça dans la langue arabe. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le mot bid'a dans la sharia, celle qui est interdite dans la religion. Al bid'atu fi shara' hiya ma ahdathahu an-nas fi ad-din khilaf ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu min aqidatin ou qawlin ou amal. Donc c'est tout ce que les gens ont inventé et ont dit que ça fait partie de la religion alors que ça n'existait ni à l'époque du prophète ni à l'époque de ses compagnons, que ça soit dans la croyance, que ça soit dans les actes, dans l'adoration, ou que ça soit dans les propos. Tout propos, toute croyance, tout acte qui n'existait pas à l'époque du prophète sallam, on ne peut pas aujourd'hui dire que ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une bid'a, ce qu'on appelle une bid'a, et le pluriel de bid'a c'est bid'a. Donc ça c'était une introduction, on va dire, au sujet, pour bien comprendre que ce que veut dire le mot bid'a, que ce que veut dire le mot sunna, et aussi que ce que veut dire le mot mukhalafat sunna. Mukhalafat sunna, ça veut dire la sunna c'est de faire comme ça, et la personne fait le contraire. Donc maintenant on rentre dans le sujet. On va citer des hadiths et des versets en premier et des paroles des sahaba et des tabi'in, des grands imams, sur l'importance de la sunna. Fi ahammiyati sunna wa hada yadullu ala makanatiha al-azima. Et ça va montrer que la sunna est importante dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ya ayyuha alladhina amanu ati'u allaha وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى dit, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir. Sans répéter le verbe obéissez. Et si vous divergez sur n'importe quoi, revenez au livre d'Allah et revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ceci est meilleur, et voilà la bonne interprétation. Donc c'est un verset qui nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit aussi, قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. Dit, obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous trouverez dans beaucoup de versets du Coran, lorsqu'Allah parle de son obéissance, au même niveau il met l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète, elle est absolue.
elle incombe à chacun d'entre nous. Et Allah Azza wa Jalla aussi dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il y a vraiment un bel exemple dans le prophète d'Allah pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans le Coran: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, vous a apporté, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: Ya ayyuha alladhina aman, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasouli. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son prophète. Ne devancez pas l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: Ya ayyuha alladhina amanu, استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى dit: Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète lorsqu'il vous appelle pour revivre. Donc l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, toujours dans les versets du Coran, dans le sens de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. سبحان الله. الله عز وجل في القرآن: Il n'appartient aux croyants, lorsqu'Allah les appelle et son prophète, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, pour juger entre eux, أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. On doit dire: on a obéi, on a entendu et on a obéi. Et voilà ceux qui vont réussir. Et celui qui obéit à Allah et à son prophète et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront parmi ceux, الفائزون, ceux qui ont gagné, les gagnants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset du Coran: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il jure par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même en disant: ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, en parlant du prophète Mohammed sallam, dans leurs différends. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Et lorsque tu as décrété, lorsque le prophète sallam a décrété son jugement, ils n'ont aucune gêne dans leur cœur. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, et ils se soumettent totalement à la sunna du prophète sallam, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Allah dit: et si vous lui obéissez, au prophète sallam, تَهْتَدُوا, vous serez bien guidé. Donc tout ça, c'est des versets qui montrent quoi? L'importance de suivre سُنَّةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer que suivre la sunna, c'est pas quelque chose de négligent, à négliger, comme malheureusement beaucoup de musulmans le font aujourd'hui, et qu'Allah nous en préserve. At-Tirmidhi rapporte, d'après Arbad ibn Sariya radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une exhortation, et lorsque les sahaba ils lui ont vu, il a fait une exhortation au point que les cœurs des sahaba ont pris peur et que leurs yeux ont pleuré, et ils ont dit: ya Rasulullah, tu parles comme quelqu'un qui fait ses adieux, donne-nous le conseil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une série de conseils, et parmi ces conseils, il leur a dit: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes, de mes compagnons, et mordez-y dedans, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hakim, Imam Hakim rahimahullah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. Je vous ai laissé deux choses. Ça me dit, je vous ai laissé deux choses, oh les musulmans. Tant que vous y cramponnerez, jamais vous ne vous égarerez. Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu et ma sunna. Et parmi les paroles des sahaba qui montrent l'importance de la sunna, il y a l'imam Bukhari Muslim rapporte dans leur sahih anna umara jaa ila al-hajar al-aswad wa qabbalahu wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. Il dit, il est venu vers la pierre noire au moment de l'embrasser et il a dit, tu es une pierre, ni tu te procures du bien, ni tu ne causes de mal. Il dit, Wallah, si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Regardez le suivi du prophète, jusqu'à même embrasser une pierre. Pour montrer la soumission totale à la sunna du prophète sallam. Et Ali radiallahu anhu rapporte dans Ibn Abi Shaybah, fil Musannaf, Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib rapporte, il dit, « لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله يمسح عن ظاهرهما. » Subhanallah. Regardez les sahaba radiallahu anhu, de quelle école sont sortis. Il a dit, si la religion, c'était une question de raison, dans le sens où la raison doit se soumettre au texte. Si la religion, c'était la raison, eh bien, on serait plus normal, lorsqu'on fait une masse halal, lorsqu'on essuie les chaussons, de s'essuyer en bas que de s'essuyer en haut. Et il dit, mais j'ai vu le prophète s'essuyer en haut, donc je m'essuie en haut. Regardez, c'est le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les paroles des salaf salih et des imams, il y a la parole de Omar ibn Abdelaziz. Un homme lui a envoyé une lettre en demandant, en lui posant des questions sur le qadar, des conseils sur le qadar. Et il lui a donné des conseils, et il lui a dit, « Usika bi taqwa Allah, wa liqtisadi fi amrihi, wa tiba'i sunnati nabiyyihi, fa'alayka biluzumi sunnah, fa'innaha laka bi idhnillahi ismah. » Il lui a dit, je te recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te limiter à ça. Et je te recommande de t'attacher à la sunna du prophète sallam. Attache-toi à la sunna du prophète sallam car elle sera pour toi une garantie contre l'égarement. Et l'imam Malik rahimahullah, et on va terminer avec la parole de l'imam Malik rahimahullah, regardez comment il parlait de la sunna. Il disait As-sunnatu safinatu nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Il disait la sunna c'est comme l'arche de Noé. Celui qui s'attache à la sunna, il sera sauvé. Et celui qui s'écarte de la sunna, il sera englouti. Comme les gens qui sont montés dans l'arche de Noé ont été sauvés et les gens qui s'en sont écartés, ils ont péri. Allah nous préserve ainsi que nos familles. Donc ça c'est des hadiths et avant ça des versets du Coran, des paroles de Sahaba, des paroles de Tabi'in, des paroles de A'imma qui nous montrent l'importance de la Sunna. Donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vient à notre siècle, un illuminé, et il nous dit non, la Sunna c'est pas si obligatoire que ça, ou bien la Sunna c'est pas important du tout. Et on verra la réponse à ce genre d'ambiguïté après, Inch'Allah. Maintenant, on va parler d'une deuxième chose. Parce que le prophète, sallam, dans beaucoup de textes, tout en mettant, en nous ordonnant la sunna, il nous déconseillait, il nous mettait en garde contre al-bid'ah dans la religion, les innovations dans la religion, et aussi dans le fait de diverger avec la sunna du prophète, sallam. C'est pas seulement faire des bid'ah qui est dangereux, mais c'est aussi, tu fais pas de bid'ah, mais tu diverges avec la sunna du prophète sallam. Le prophète dit de faire comme ça, et toi dans ta vie tu fais comme ça. Le prophète dit comme ça, et toi dans ta vie tu dis comme ça. Le prophète fait comme ça sa prière, et toi toute ta vie tu fais ta prière comme ça. Et tu ne veux pas te soumettre à la sunna du prophète sallam. C'est très dangereux, et on verra pourquoi.
Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne répondent pas à ton appel, ô Muhammad sallam, sache, c'est une réalité, il n'y a pas deux solutions. فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, qu'en réalité ils ne suivent que leur passion. Et il n'y a pas plus égaré que celui qui suit sa passion sans preuve provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne convient pas à un croyant et à une croyante lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et son prophète, donc ici on parle aussi de la sunna, أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ, lorsqu'Allah et son prophète a décrété une chose, il ne convient pas de choisir. On n'est pas au souk. C'est l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas aux croyants de choisir. Et regardez, celui qui rentre dans « je vais choisir », Allah dit après « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقْ » Celui qui désobéit à Allah et au prophète. Quand tu commences à faire ça, tu rentres dans la désobéissance d'Allah et son prophète. Et celui qui rentre dans la désobéissance d'Allah et son prophète, « فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا » Et il s'est égaré d'un égarement lointain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, sur le fait d'innover dans la religion, dit « أَلَمْ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ » Ont-ils des associés qui ont légiféré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Parce que le pouvoir de légiférer n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le donne, le révèle à ses prophètes, qui eux aussi légifèrent. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah dit à propos du prophète, il ne parle pas sous l'effet de la passion, il parle sous l'effet de la révélation. Le prophète sallam parle sous l'effet de la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, sur le fait de l'interdiction d'innover, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. La boucle, elle est bouclée. Il n'y a pas à rajouter, ni à supprimer ou diminuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce verset, et c'est un verset, lorsqu'on le médite, qui fait très peur. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, an amri rasul, an. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, que prennent garde ceux qui divergent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prennent garde de quoi? أن تصيبهم فتنة, qu'une fitna, une perturbation, ne les touche, أو يصيبهم عذاب أليم, ou qu'un châtiment douloureux ne les touche. Voilà la conséquence et la récompense de celui qui diverge de la sunna du prophète sallam. Al fitna ou bien ou et azabun alim, le châtiment douloureux. Et aujourd'hui les gens, ils sont dans la fitna, ils vivent dans azab alim parce que ils divergent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce que dit l'imam Ibn Kathir sur ce verset. Regardez les vrais al-mufassirun, les vrais, les gens qui explique vraiment le Coran selon la parole d'Allah et de son prophète et des premiers musulmans. Il disait فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ سَبِيلُهُ وَمِنْهَاجُهُ وَطَرِيقَتُهُ وَسُنَّتُهُ وَشَرِيعَتُهُ فَتُوزَنُ الْأَعْمَالُ وَالْأَقْوَالُ فَمَا وَافَقَ ذَلِكَ قُبِلْ وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. Et il termine, on va le dire après on puisse suivre. L'imam Nukathir dit à propos de ce verset que ceux qui divergent du prophète, il dit du prophète, ceux qui divergent du prophète, c'est-à-dire de la voie du prophète, du chemin du prophète,
de la sunna du prophète, de la sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que les actes et les paroles sont comparés en fonction des actes et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va dans le sens des actes et des paroles du prophète est accepté. Et ce qui va en divergence est rejeté. Quelle que soit la personne qui l'ait dit, ou quelle que soit la personne qui l'ait fait. Le modèle c'est qui? C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète dit, celui qui fait un acte qui n'est pas en accord avec notre sunna, son acte sera rejeté. Et l'imam Ibn Kathir termine en disant, فَلْيَحْذَرِ أَلْي فَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ رَسُولِ صَلَّمَ الرَّسُولِ صَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَيْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ كُفْرٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ بِدْعًا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَيْ فِي الدُّنْيَا بِقَتْلٍ أَوْ حَدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. Il dit que ces gens-là, ceux qui divergent avec son prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignent que dans le fait de diverger avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit intérieurement ou extérieurement, ils craignent deux choses, il dit. « Antusibahum fitna » qu'une fitna ne les touche. Une perturbation, une fitna, les touche, c'est-à-dire aussi bien dans leur cœur, que ça soit du kufr, ou que ça soit du nifar, ou que ça soit une bid'a. Même l'imam, Ahmed, on lui a dit, c'est quoi la fitna? Il lui a dit, la fitna, c'est lorsque la personne diverge avec le prophète sallam, au point que elle va tellement diverger avec lui que ça peut la ramener vers le kufr, ou bien vers la bid'a, ou bien vers le shirk. C'est vers ça que ramène la fitna. Et il dit aussi, aw yusibahum adhabun alim, que ne leur touche un châtiment douloureux, c'est-à-dire dans cette vie, dans le fait de diverger avec la sunna du prophète, dans une dawla islamia, ça peut entraîner la personne à une peine, à des punitions qui sont connues et que les ulama expliquent dans leurs livres. Ça, c'est les versets du Coran qui parlent du fait, du danger de diverger avec la sunna du prophète ou d'innover dans la religion d'Allah. Maintenant, pour les hadiths, l'imam Bukhari ou Muslim rapporte, le prophète a dit, « Man raghiba an sunnati falaysa minni » celui qui suit une autre voie que ma sunna ne fait pas partie, ça ne fait pas partie de notre voie. Et ça, vous connaissez tous le sabab du hadith. La raison du hadith, c'est que trois personnes sont venues interroger les femmes du prophète sur comment le prophète adorait Allah. Et ils sont repartis chacun d'entre eux, l'un en disant, à partir d'aujourd'hui, je jeûne constamment. Le deuxième a dit, à partir d'aujourd'hui, je prie la nuit constamment. Et le troisième a dit, à partir d'aujourd'hui, je me sépare des femmes. Et lorsque le prophète a entendu parler de ça, il les a appelés. Et il a dit, je suis celui qui craint le plus Allah. Et pourtant je mange et je jeûne. Et pourtant je dors et je prie. Et je me marie. Et il a dit, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Il a terminé en disant, celui qui ne désire pas ma sunna ne fait pas partie de ma voie, il n'est pas sur ma voie. Et l'imam Bukhari rapporte aussi dans l'importance de suivre la sunna, il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ça dit toute ma communauté, tous les musulmans, les musulmanes ou même les non musulmans, les kuffars rentreront au paradis. Sauf celui qui ne veut pas. Il se dit, qui Rasulallah ne veut pas? C'est celui qui me suit et m'obéit, que ce soit dans la croyance ou dans la pratique, c'est qui veut rentrer au paradis. Et celui qui refuse, celui qui ne me suit pas, c'est qui s'y refuse de rentrer au paradis. Et aussi le prophète s'est dit, ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné de faire, ce que je vous ai interdit de faire, abstenez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le comme vous le pouvez. Le prophète dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Hadith akhrajahu al-Bukhari an Aisha. Ça veut dire celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec ma sunna, son acte sera rejeté.
Maintenant, pour ce qui est des Sahaba, dans leurs propos sur la gravité d'innover dans la religion ou de faire le contraire, Abdullah ibn Mas'ud disait « Law taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum » Si vous délaissez les sunnats de votre prophète, ça va, vous allez vous égarer. Ça conduit à l'égarement de délaisser la sunnat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait aussi « Ittabi'u wa la tabtali'u faqad kufitum » Suivez ce qui vous a été apporté et n'innovez pas, car ce qu'on vous a apporté vous suffit largement. En parlant de la sunnah du prophète sallam. Et il disait aussi Iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Se limiter à une sunnah, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts, mais dans l'innovation. Et Hudhayfah ibn al-Yaman disait aussi كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالة فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. Il disait حذيفة بن اليمان, c'était le confident du prophète صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète faisait des secrets, il les donnait à حذيفة بن اليمان. Il disait toute adoration ou tout acte, toute parole que les compagnons n'ont pas fait, ne la faites pas. Il dit parce que les premiers n'ont pas laissé de place aux derniers dans la religion d'Allah. Tout est expliqué, tout est clair. Il dit craignez Allah et suivez la voie de ceux qui sont venus avant vous. Et Omar ibn Abdelaziz disait قِفْ حَيْثُ وَقَفَ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُ. Il disait, abstiens-toi là où les gens se sont abstenus. Parce que c'est avec science qu'ils se sont abstenus et qu'ils se sont arrêtés. Et nous, les gens, aujourd'hui, même si, vas-y, on y va, et on ne regarde pas. Il disait, Hna Rijal, on est des hommes. L'imam Shatibi rapporte dans l'I'tisam la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui dit, Man ibtada'a bid'atan, fil islami bid'atan hasana, يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. L'imam Malik dit, celui qui fait innove dans la religion d'Allah et il casse cette innovation en disant c'est une bonne innovation, c'est bon, c'est une bonne innovation, il aura prétendu que le prophète Mohammed a trahi le message d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, aujourd'hui j'ai parachevé la religion. Et le prophète a transmis. Est-ce que j'ai transmis? Et le prophète a transmis la révélation d'Allah. Et l'imam Malik disait, ce qui n'était pas considéré à l'époque comme dîn, comme religion, ne sera jamais considéré comme religion. وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول لأصول السنة les fondements de la sunna chez nous c'est le fait de s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons et de les imiter. Et que toute innovation, et de délaisser les innovations religieuses, et que toute innovation religieuse est un égarement. Je précise religieuse, parce que les innovations dans le domaine mondain, tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec l'islam, c'est bien les avions, les voitures et tout ça, il n'y a pas de problème dans ça. Saïd ibn Musayyib, regardez, et ça, Salaf Saleh l'a très bien compris. Le danger. Vous vous souvenez du verset qu'on a cité tout à l'heure, فَلْيَحْذَلِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, que prennent garde ceux qui divergent avec sa voix, qu'une fitna ne les touche ou un châtiment douloureux les touche. Saïd ibn Sayyib, qui était parmi les grands fuqaha, un homme est rentré dans la mosquée et a fait des deux rak'at de sunnat al-fajr. Vous savez qu'entre adhan et l'iqama de l'fajr, il n'y a que deux rak'at à faire. Alors que les autres prières, on peut en faire
2 et plus. Mais à ce moment-là, il y a Sunat al-Fajr, c'est 2 rak'at. C'est comme ça que le prophète nous enseignait. Et un homme est rentré, on a fait 2. Et on a encore fait 2. Et on a encore fait 2. Alors, l'imam l'a appelé et lui a déconseillé de faire ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'homme? Avec son esprit. Ce que peut-être nous on dirait aujourd'hui. Il lui a dit, « Ayu'adhibuni Allahu ala fi'li salat. » Est-ce qu'Allah il va me châtier parce que j'ai fait la prière? Il lui a dit, « La yu'adhibuka ala khilafi sunnah. » Non, Allah ne va pas te punir pour avoir fait la prière, mais il va te punir pour avoir fait le contraire de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même, ça arriva à l'imam Malik, rahimahullah. Il y a un homme, il est venu voir l'imam Malik. Il lui a dit, « Min aina uhrimu ?» À partir de où je mets la niya de ihram? Il voulait certainement faire la umrah. Et donc, il lui a dit, « À partir de où je mets cette intention de umrah ?» Et l'imam Malik lui a dit, « Min haythu waqqata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani wa ahrama fih. » Je le fais là où le prophète l'a fait. Et le prophète le faisait à Dhul Hulayfa. Un endroit à 7-6 km de Médine, en allant vers la Mecque, il s'arrêtait et il mettait son intention d'ihram à cet endroit-là. Cet endroit-là s'appelle Dhul Hulayfa, ou aujourd'hui on l'appelle aussi Abyar Ali. Il a dit, tu le fais là, parce que le prophète le faisait là. L'homme il a dit, non, moi je vais le faire de la mosquée du prophète. Alors moi je vais le faire un petit peu avant. Et l'imam Malik lui a dit, Akhsha ala nafsika al-fitna. J'ai peur pour toi de la fitna. Il lui a dit, mais il n'y a pas de fitna, c'est que quelques kilomètres en plus. Il lui a dit, il lui a resté le verset où Allah Azza wa Jalla dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le verset qu'on a cité depuis tout à l'heure, où Allah met en garde le fait de diverger avec la voix du prophète sallam et le fait que ça va toucher, les gens qui le font vont le toucher par un châtiment ou une fitna. Donc ça, c'est des textes du Coran et de la Sunna et de la parole des salaf salih sur le fait de prendre garde à l'innovation religieuse et à le fait de contredire la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement aujourd'hui les musulmans sont soit dans l'innovation religieuse, qu'Allah nous en préserve, ou ceux qui sont, alhamdoulilah, ils sont pas dans l'innovation religieuse, ils tombent dans mukhalafat Sunna. Et ça nous arrive même à nous. Donc il faut faire très attention. Et troisièmement, on va finir, ça va donner des réponses à beaucoup de questions, ou des certaines ambiguïtés qu'on a, ou que les gens autour de nous ont, concernant la sunna. Parce qu'il y a des gens qui mettent des ambiguïtés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de l'ignorance, ou bien parfois, pour s'attaquer à l'islam, pour égarer les musulmans. C'est ce qu'on appelle du shubuhat, hawl sunna. Et alhamdulillah, les savants répondent à ces ambiguïtés. Donc je vais en citer, il me semble que j'en ai cité 8. 8. Allah yuwaffaq, inshallah. La première ambiguïté qu'on retrouve parfois, c'est mafhoum les sunnah maqsoura. Maqsoura. Les gens, ils ont une compréhension de la sunnah limitée. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent le mot sunnah, et ça, dû à l'ignorance ou dû à la mauvaise compréhension. Ils utilisent le mot sunna dans un contexte qui n'est pas le sien. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple, hein, ils parlent de la lahya et ils disent que la lahya c'est sunna. Mais quand ils disent c'est sunna dans le sens, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, il n'y a pas de problème. Dans le sens, c'est mustahab. Dans le sens qu'on a dit tout à l'heure des al-fuqaha. C'est-à-dire, si tu le fais, c'est le fuqaha. Sunna, le mot sunna veut dire quoi? Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas puni. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose obligatoire. Donc, chez beaucoup de musulmans, ils utilisent le mot sunna à un moment où c'est pas... Certes, ils utilisent en fait le mot sunna dans le sens, c'est la voix du prophète. C'est vrai que la lahya, c'est la sunna du prophète dans le sens, c'est la voix sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel est le hukm de la sunna, le hukm de la lahya dans l'islam? C'est al-fard, c'est qu'elle est obligatoire. Et d'ailleurs les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa sont unanimes sur le fait que se raser la barbe c'est interdit. Donc il y a déjà une première ambiguïté, c'est la,
sur la compréhension du mot sunna. Beaucoup de gens utilisent le mot sunna, ils disent c'est sunna, mais derrière en fait ce mot sunna, il y a quoi? Il y a l'obligation, c'est quelque chose d'obligatoire. Et c'est dû en fait aux différentes terminologies qui existent chez les fuqaha, chez les muhadithin et chez l'usuliyoun. Deuxième ambiguïté, c'est que certes, beaucoup, certaines personnes, qu'Allah nous en préserve, prétendent aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne doute pas de cette prétention. Je dis bien de cette prétention. Mais l'amour du prophète ne se limite pas seulement dans le fait de prétendre aimer le prophète. Mais l'amour du prophète se manifeste à travers le suivi de sa sunna et dans le fait de faire et de dire ce que le prophète a fait et il a dit. Comme le prophète dit, Al al-mudda'i al-bayyina. Celui qui prétend quelque chose, il doit ramener sa preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dans un autre verset qui est dans un autre contexte. Allah dit, ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Tu prétends aimer le prophète sallam, prouve-le. Pas par rapport aux gens, on n'a rien à prouver aux gens. Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah dit, dites au Mohammed, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, dans le sens, suivez le prophète sallam. Allah vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez ce que dit l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset. Il dit, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. Imam Kathir dit à propos de ce verset, il dit, ce verset, c'est un juge, il vient trancher à tous ceux qui prétendent aimer Allah, mais qui suivent une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent une autre sunna ou qui délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ces gens-là seront kadhib, seront menteurs, tant qu'ils ne suivront pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses actes et dans tous ses paroles. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, et l'imam Kathir continue, dit, yada qal in kuntum tuhibbun Allah ay يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته سبحانه وتعالى وهو أعظم من الأولى أو من الأول. فكما قال بعض العلماء والحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. Donc ici ce verset, lorsque Allah dit si vous aimez Allah suivez-moi, il dit ce verset que celui le fait de suivre le prophète sallam, dans le fait de suivre le prophète sallam, vous allez accéder à quelque chose qui est plus important que le fait qu'Allah vous aime, que le fait que vous aimez Allah, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Pourquoi? Parce que comme certains ulama ont dit et certains sages ont dit, le plus important c'est pas que toi tu aimes Allah. Tout le monde prétend aimer Allah, mais c'est que Allah t'aime. Parce que si Allah t'aime, ça veut dire forcément que tu as aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Basri, toujours d'après l'imam Ibn Kathir, wa ghayruhu min as-salaf, za'am qal, za'am qawmun annahum yuhibbun Allah fabtalahum Allah bihadihi al-aya. C'est pour ça yada summa ba'du al-ulama hadihi al-aya ayatu al-imtihan wa al-ikhtibar. Hassan al-Basri, c'est un grand savant parmi les tabi'in, il disait que ce verset est descendu sur des gens qui prétendaient aimer Allah et son prophète. Et Allah a descendu ce verset pour les éprouver. Que si vraiment vous aimez Allah, alors suivez le prophète. C'est ça le vrai amour d'Allah. C'est ça
ça le vrai amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'était la deuxième ambiguïté par rapport à la sunna. Maintenant on va rentrer dans des ambiguïtés, des vraies ambiguïtés. C'est la troisième ambiguïté concernant la sunna, et le but c'est d'écarter les gens de la sunna. C'est l'i'timad ala al-Qur'an dun as-sunnah. وأن القرآن حوى كل شيء فلا حاجة إلى السنة وأن القرآن بين كل شيء فلا جدوى للسنة سبحان الله بدليل زعموا وما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا إليك عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. Regardez la troisième ambiguïté, c'est le fait de s'appuyer sur le Coran et de délaisser la Sunna. Pourquoi ? Parce que le Coran renferme tout ce qu'on a besoin, donc on n'a plus besoin de la Sunna. Et dans la Sunna du Prophète sallam, le Coran a tout expliqué, donc il n'y a plus aucune utilité du Coran. Et Zama, pour amener des dalil dans leurs ambiguïtés, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, Allah dit dans le Coran, وَمَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien, Allah dit dans le Coran, nous n'avons rien oublié dans le Coran. Et Allah dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous avons révélé le Coran et il a tout expliqué. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ces gens-là, ils disent, mais tout est expliqué dans le Coran. Pourquoi revenir à la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Et ils rajoutent d'autres ambiguïtés qu'on verra après, on ne peut pas tous les mettre en une seule et même ambiguïté. وَهَذَا يُذَكِّرُنَا بِالْحِوَارِ الَّذِي جَرَى بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ وأم يعقوب. Ça, ce genre d'ambiguïté, ça nous rappelle la conversation qu'il y a eu entre Abdullah ibn Mas'ud, qui est un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon, il a la particularité que les versets du Coran, il sait à quel moment ils sont descendus et il connaît l'explication du Coran Karim comme Allah lui a enseigné. Il y a eu une conversation entre lui et Mas'ud, Oum Yaqub, c'était une qaria. Ceux aujourd'hui qui nous disent ça, c'est même pas des Qurra. Est-ce une qaria? Ça veut dire quoi le qaria? C'est-à-dire qu'elle connaissait le Coran. Pas seulement elle connaissait le Hif, mais elle connaissait le Coran. فقالت أنبئت أنك تنهى عن الواشمة. Elle lui dit, on m'a informé que tu déconseilles, tu interdis الواشمة, celle qui fait des tatouages. Parce que dans l'islam, c'est interdit de faire des tatouages. Et qu'est-ce qu'il a dit? قال نعم. Bien sûr, je l'interdis. Je dis que c'est interdit. Puis là-haut, il n'interdit rien du tout. Il le dit que c'est interdit. فقالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته من رسول الله. Elle dit, est-ce que c'est quelque chose que tu l'as trouvé dans le Coran, ou est-ce que c'est le prophète qui l'a, tu l'as entendu du prophète? Et il lui a dit, نعم أجده في كتاب الله وسنة رسول الله. Elle lui a dit, oui, je l'ai trouvé dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallam. فقالت أم يعقوب. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, Wallahi, laqad tasaffahtu kitab Allah aw ma bayna daffati al-mushaf fa ma wajadtu fihi alladhi taqul. Elle lui a dit, j'ai lu le Coran, comme nous on va dire aujourd'hui, de l'Baqara jusqu'à Sourate An-Nas, du début à la fin. J'ai jamais trouvé un verset qui parle de l'Washima, qui parle du tatouage. Et c'est vrai, tu ne trouveras pas. Mais regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, si vraiment tu avais lu le livre d'Allah, tu l'aurais trouvé, ce verset. Tu l'aurais trouvé. Elle lui a dit, lequel ? Elle lui a dit, n'as-tu pas lu où Allah dit dans le Coran ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le ! Et ce que le prophète vous a interdit, abstenez-vous-en. Et il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il a déconseillé à la femme de s'épiler et de se tatouer. Elle n'a Vous avez vu la compréhension? Donc tu ne peux pas séparer le Coran de la Sunna, ou sinon tu vas t'égarer. Et les gens qui veulent écarter les musulmans du Coran et de la Sunna, qui ramènent des ambiguïtés, on va voir lesquelles ambiguïtés nous ramènent, ils ramènent ces versets. Mais celui qui a dit ça dans le Coran, وَمَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien oublié dans le Coran. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous avons révélé sur toi le livre qui a tout expliqué. C'est aussi celui qui a révélé وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est celui qui a dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce que le prophète vous a interdit, abstenez-vous-en. Et c'est celui aussi qui a dit
وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الله يجي في القرآن nous avons révélé sur toi le Coran et la Sunna pour que tu exposes aux gens ce qui t'a été révélé. Donc le prophète il est là sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on peut pas, tu peux pas comprendre. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Je mets au défi quiconque de venir ici, quelle que soit son éloquence, quel que soit son niveau de science, de venir nous expliquer que Salat al-Fajr, al-Asr, c'est 4 rak'at. Sans qu'en s'appuyant sur le Coran. C'est pas écrit dans le Coran. C'est 4 rak'at. C'est pas écrit que tu dois lire al-Fatiha et que tu dois dire Subhanallah al-Azim dans le ruku' et Subhanallah wa bihamdihi dans le sujoud. Et c'est pas écrit que tu dois faire al-Tashahud. Et c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas écrit. Pourquoi? Ça, tu vas le trouver où? Dans la parole du prophète, dans la sunna. Sallu kamara aytumuni ou salli. Dans le prophète, dit faites la prière, comment il fait la prière? Ou lorsqu'il a fait le hajj, il a dit khudu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. C'est de là. Donc tu ne peux pas distinguer le Coran et la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, regardez ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi. يحدث بحديث من حديثي فيقول. Il dit, il va arriver un moment, bientôt il y aura des gens, on va lui, il sera accoudé. Tu sais, il sera assis avec un bon petit, il n'a pas dit un verre de thé, mais ils seront accoudés. Et la personne, elle va lui venir, elle va lui raconter la parole du prophète. Elle va dire, voilà ce que dit le prophète. Regardez ce qu'elle va lui répondre l'autre. Elle va dire, بيننا وبينكم كتاب الله. Entre nous et vous, il y a le livre d'Allah. Toi, tu lui ramènes la sunna et lui, il te dit, on a le livre d'Allah, le Coran. فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ اِسْتَحْلَلْنَاهِ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَمْ حَرَّمْنَاهِ. Ce qu'il y a dans le Coran de halal, on dit que c'est halal. Et ce qu'il y a dans le Coran de haram, c'est haram. Mais regardez ce que le prophète dit à la fin, il dit, أَلَا إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ. Le prophète dit, mais ce que Allah, ce que le prophète a rendu haram, Allah l'a rendu haram. C'est au même niveau. Le prophète légifère, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'effet de la révélation. Donc tu ne peux pas comprendre le Coran. C'est un égarement de vouloir distinguer le Coran de la sunna, comme c'est un égarement de vouloir discerner, distinguer la compréhension des sahaba du Coran et de la sunna. Quatrième ambiguïté. Cette ambiguïté, elle est reliée. C'est, comment ils en sont arrivés à cette troisième ambiguïté? Surtout les orientalistes, les mustashriquns, les orientalistes. Malheureusement, même des musulmans aujourd'hui, ils tiennent ce genre de discours. Il ne faut pas être méchant avec eux. Il faut leur expliquer gentiment, avec sagesse. Ils disent, cette ambiguïté, c'est « Al-Nahyu an kitabati al-hadith wa wujud al-mawdu' wa al-ahadith al-da'ifa ». Ils disent, ouais, mais attendez, le prophète, il a déconseillé d'écrire le hadith. Et il existe dans les hadiths du prophète, des hadiths faux ou faibles et des hadiths forts, acceptables. Et ils te disent, et tant qu'il y aura dans ces hadiths, dans la sunna du prophète, des hadiths faibles et des hadiths, on ne peut pas avoir confiance dans la sunna du prophète. Mais ce qui est sûr, c'est Coran al-Karim. Vous avez vu comment ils ont fait cette ambiguïté avec celle d'avant? Et ils ramènent des hadiths qui sont sahih. Parce qu'il dit La taktubu anni shay'an, ghayr al-Quran. Le prophète dit N'écrivez de moi rien d'autre que le Coran. Al-Muhim. Wa raddu ala hada. Comment se fait cette réponse? On va directement peut-être parler plus en arabe pour le temps, parce que ça commence à faire une heure. Quelle a été la réponse à cette ambiguïté? C'est que c'est vrai, au début de l'islam, le prophète a déconseillé de l'écriture du hadith pendant que le Coran révélait. Pourquoi? De peur que le Coran et le hadith se mélangent et les gens confondent la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette interdiction est partie. Et de l'époque des sahaba radhiyallahu anhum, des tabi'in, tabi'in, il y a des gens qui écrivaient. Il y a des sahabis, ils avaient leur sahifa, leur page
où ils mettaient le hadith qu'il a entendu directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont écrit. Donc les compagnons sont plus à même de connaître ces textes, ils l'ont écrit. C'était juste pour ne pas mélanger le hadith avec le Coran. Et sur l'ambiguïté de ceux qui te disent, oui, mais il y a des hadiths da'if, il y a des hadiths sahih, moi je ne sais pas, peut-être que je suis en train de suivre un hadith da'if, za'ma. Ils ne connaissent même pas c'est quoi un hadith da'if, ils ne connaissent même pas c'est quoi un hadith sahih. C'était quoi leur... C'est... Comment on répond à eux ? أن الله تكفل بحفظ دينه. الله سبحانه وتعالى il s'est mis garant de protéger sa religion. Allah il dit إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Nous avons révélé la révélation Coran et la Sunna et nous en sommes les gardiens. Allah il est des gardiens. Et ensuite Allah سبحانه وتعالى قيد رجال المحدثون. Allah il a fait qu'il y a des hommes qui sont les muhadithoun, les gens du hadith. Mahassu sunna, ils ont épuré la sunna. Gharbalouha, ils l'ont gharbal, ils l'ont tamisé. Waman yazoubayna sahih wa da'if. Et ils ont mis d'un côté le hadith sahih, et de l'autre côté les hadiths da'if, faibles, ou les hadiths maudou', carrément inventés et forgés. Alhamdulillah. Cette science est connue, comme à notre époque, par exemple, Cheikh Albani, rahimahullah, comme les savants avant lui, comme l'imam Nawawi, comme l'imam Hajar al-Asqalani, comme les savants de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, et beaucoup d'autres savants, ils ont fait des livres sur ça. Comme à notre époque, tu vas trouver Cheikh Albani, il a fait Silsilatul Ahadith Sahiha, la série des hadiths sahih. Et il a fait une autre, Silsilatul Ahadith Al-Da'if Al-Mawdu'. Une autre série de hadiths où tu vas retrouver les hadiths Da'if et Mawdu'. Avec les règles du hadith que les gens avant lui, ils ont mis en place. Donc, alhamdoulilah, c'est une ambiguïté. Cette ambiguïté ne touche que les gens qui ne connaissent pas la science du hadith. Allah nous en préserve. Cinquième ambiguïté, c'est cette parole. Sur ceux qui, involontairement ou involontairement, si c'est involontairement, c'est par ignorance, veulent t'écarter de la sunna. Ou bien, leur propos va forcément t'écarter de la sunna si tu les suis. Faut être prudent. C'est عدم النقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا لا يلزم منه نقل العدم. أي لا يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل. Ils vont te dire, regardez ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, le fait qu'il nous a pas été parvenu que le prophète a dit telle chose ou a fait telle chose, ça veut pas dire que le prophète l'a pas fait ou ne l'a pas dit. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il a dit, mais ça ne nous est pas. Ça n'a pas été retranscrit, ça ne nous a pas été apporté. Et Ibn al-Qayyim, ou bien Ibn Qayyim al-Jawziya, répond à cette ambiguïté par deux manières. La première, c'est qu'Anna dîn Allah qad iktumil. Bi wafat il nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dînakum. Wa anna Allah takaffala bi hifdhi dînihi. La première ambiguïté à ça, ceux qui te disent, ouais, mais attention, peut-être que cette parole ou cet acte, c'est pas ramené dans les hadiths, mais peut-être le prophète le faisait. Ils te disent, la religion d'Allah, elle est terminée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait l'imam Malik, ce qui n'était pas religion avant ne sera plus religion, parce qu'il n'y a aucune preuve. Et parce qu'Allah, il a préservé aussi sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. La deuxième réponse à cette ambiguïté, c'est là où fatahna hada al-bab la sara li kulli mubtadi' an yabtadi'a fi dinillah. Si on ouvre cette porte, si les savants permettent d'ouvrir cette porte, c'est une porte ouverte à tous ceux qui veulent innover dans la religion. Il va innover, il va dire, ah non, attendez, peut-être le prophète l'a fait, il l'a dit, mais vous, c'est pas dans le hadith. Et on n'en finira jamais. Donc cette porte, elle est fermée. Pourquoi ? Parce que le prophète dit, man ahdatha fi amri hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y fait pas partie, il est rejeté. On n'a pas de hadith, on n'a pas de texte, akhi, ce que tu fais c'est rejeté. Sixième ambiguïté, c'est taqsim al-bida' ila hasana wa sayya. C'est une façon d'éloigner les gens de la sunna. Ils ont dit, il existe des bonnes bida' et des mauvaises bida'. Il existe des bonnes bid'a, donc maintenant on sait c'est quoi une bid'a, et des mauvaises bid'a.
Wallah, et le fait de dire ça, ça va t'écarter de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que celui qui divise, il dit que dans la religion il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, fahuwa mukhti. Il se trompe. Et il est mukhalif li qawli nabi sallam. Il va en divergence avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit kullu bid'atin dalala. Toute bid'a est un égarement. Et Ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Arba'in Nawawiyya, il dit لفظ العموم يدل على أن كل بدعة ضلالة بغير استثناء. Toute bid'a est. Pourquoi tu as dit tout? Il a utilisé un mot qui en, de généralité. Ça veut dire toute bid'a est une innovation. Il n'existe pas de bonne et de mauvaise bid'a. Et ceux qui. Parce que tout genre, toute personne qui fait une bid'a, il se cache toujours derrière une mauvaise interprétation d'un texte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ramené pour affirmer leurs propos? Ils ont dit le hadith du prophète qu'on a cité au début, rapporté par Muslim. Man sanna fil islam sunnatan hasana wa man sanna fil islam sunnatan sayya. Pourquoi le prophète dit celui qui fait une bonne sunna et celui qui fait une mauvaise sunna. Ils ont dit la bonne sunna c'est la bid'a hasana et la mauvaise sunna c'est la bid'a sayya, la mauvaise bid'a. C'est pas ça. Le hadith là ne veut pas dire ça parce que le hadith il a une explication. Regardez le hadith c'est quoi. En résumé, il y a des gens très pauvres qui sont venus à Médine. Et quand le prophète il a vu leur état dans lequel ils étaient, il s'est levé et il a fait une mou'iba. Il a parlé aux gens. Et il y a un compagnon, il s'est levé et il a commencé à donner sadaqa. Je vous pose une question. Est-ce que sadaqa, c'est une innovation dans la religion ou ça existe la sadaqa dans la religion? Ça existe la sadaqa, donner sadaqa. Il a donné sadaqa cet homme. Et un deuxième, il est venu, il a fait la même chose que le premier. Et un troisième, il est venu, il a fait la même chose que les deux premiers, et ainsi de suite. Et quand le prophète, il a vu ça, il a dit, celui qui fait une bonne sunna, il aura la récompense de cette sunna, et de tous ceux qui l'ont fait après lui. Et celui qui fait une mauvaise sunna, il aura le chfardeau de cette mauvaise sunna, et de tous ceux qui viennent. Donc ce hadith-là, quand tu le prends dans Sahih Muslim, dans sa totalité, tu vois que ça ne veut pas dire qu'il existe des bonnes, et puis des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. Non, il existe des bonnes actions, c'est le fait de refaire vivre une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mauvaises actions. D'accord? Ensuite, septième ambiguïté qui écarte les gens forcément, volontairement ou involontairement, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dire « Man kana qasduhu hasan, fa fi'luhu hasan, ou fi'luhu mahmoudan. » Ils disent celui non mahmoudan afwan man kana qasduhu hasanan hasanun kana fi'luhu mahmoudan. Celui, ils te disent celui dont l'intention est bonne, eh ben son acte sera bon. Il suffit d'avoir une bonne intention pour que ton acte soit bon. Et ça c'est faux. Là الجواب أنه لا بد من حسن القصد الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. La réponse à cette ambiguïté, en vérité, elle est très simple pour celui qui est clairvoyant dans sa religion. C'est que en plus d'avoir une bonne intention, parce qu'il faut avoir une bonne intention, ça, on ne nie pas le fait d'avoir une bonne intention, mais ça ne suffit pas, parce qu'en plus de la bonne intention, il faut suivre la sunna du prophète sallam. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que si une personne rentre à la mosquée pour faire salat et l'Isha, et elle dit aujourd'hui je vais faire pas 4 rak'at, parce que l'Isha c'est 4 rak'at, elle dit aujourd'hui je vais faire 10 rak'at. L'intention elle est bonne, il veut faire une ibada, il va adorer Allah, mais est-ce que son acte sera accepté ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme le prophète sallam. Il faut qu'il fasse 4 rak'at, ni plus ni moins, parce que man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Il fait un acte qui n'est pas selon notre enseignement, il est rejeté. Et c'est pour ça que les ulama ils en ont tiré une règle qui dit "An-niyyatul hasana la tukhriju shay'an muhdath 'an kawnihi bid'a bi tilka an-niyyah al-hasana." Le fait d'avoir la bonne intention ne suffit pas pour que un acte sorte de la bid'a que par sa bonne intention. Il faut avec muwafaqat an-nabi. Et je vais raconter une histoire que vous connaissez sans doute, mais qui est bien de rappeler.
C'est l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud. Et on avait déjà cité cette parole il y a quelque temps lorsqu'il a dit Kam min muridin min khayr lan yusibahu. Combien de gens veulent le bien, mais ils n'accèdent pas à ce bien. Cette parole, on l'avait citée une fois, et on va expliquer le contexte de cette parole. C'est que Abu Moussa al-Ash'ari, qui fait partie des grands sahaba, il a vu des gens à la mosquée en cercle, et un il disait Subhanallah, et les autres ils répétaient 100 fois Subhanallah. Alhamdulillah, ils répétaient 100 fois Alhamdulillah. Allahu Akbar, ils répétaient 100 fois Allah Akbar. Avant de continuer, je vous pose une question. Est-ce que le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ça fait partie de din ou pas? Ça fait partie de din. Mais regardez après ce qui s'est passé. Il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud, qui est un grand compagnon. Il lui a dit, j'ai vu, ra'aytu amran ankartuhu, j'ai vu une chose, je l'ai détesté. Mais j'ai rien dit tant que je veux voir ton avis. Il lui a dit quoi? Et il lui a expliqué ce qu'il a vu. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne leur as pas demandé de compter leurs péchés? Et il est parti avec eux à la mosquée. Et il s'est levé, Abdullah ibn Mas'ud. Et tout le monde connaît Abdullah ibn Mas'ud à cette époque. C'est un savant parmi les sahaba par excellence. C'est parmi les grands les compagnons qui ont la science. Donc personne ne peut polémiquer avec lui. Il a dit, Wallahi, c'est soit vous êtes soit sur une voie plus guidée que celle que le prophète, ou soit vous avez innové, inventé une nouvelle voie. Ils ont dit, ya Abdullah, on veut que le khayr. On veut que le khayr. C'est-à-dire, ils avaient une bonne intention. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Abdullah? Il a dit, kam muridun lil khayr lan yusibahu. Combien de gens veulent le bien, mais ils n'y accèdent pas. Pourquoi? Parce que, en plus de vouloir faire le bien, il faut que tu prennes ce chemin. Comme un poète disait, Turidun najata, wala tasluk masalikahu, inna safinata, la tajri ala liyabasi. Il disait le poète, tu marches, tu veux le salut, mais tu n'empruntes pas les voies du salut. De la même manière que le bateau, il ne peut pas marcher dans la route. Si un bateau, tu veux le faire avancer, il faut le mettre dans l'océan. Si tu veux le salut, il faut emprunter la voie du salut. Et la chose qui va te sauver. Et il leur a dit, comment ça? Les vêtements du prophète sont encore parmi nous. Sa vaisselle n'est pas encore cassée. Ses compagnons sont parmi nous et déjà vous innovez dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bonne intention, ça ne suffit pas. C'est bien la bonne intention. Mais en plus de ça, il faut al-muwafaqa li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-muwafaqa, le fait de suivre le prophète. La dernière ambiguïté, on va finir avec ça, c'est da'watu ghulat shi'a bi tafsir sahaba. C'est une dernière ambiguïté. Il y en a d'autres, hein. J'en ai cité que 8. C'est, et cette ambiguïté-là, elle touche beaucoup de musulmans, malheureusement, de nos jours. Et elle écarte les musulmans de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait que Shia, les chiites, qu'on appelle les chiites, hein, les chiites, vous connaissez les chiites, ils disent que les sahaba ranou sont des fussaq, sont des gens qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même certains ils disent que c'est des kuffar, c'est des murtad. Ils sont apostasiés, ils sont sortis de l'islam. Wal'iyadu billah. Faire attention, parce que chez les Shia, Rawafid, il y a plusieurs groupes et tous ne disent pas la même chose, mais sont beaucoup dans l'égarement, qu'Allah nous en préserve. زعم غلاة الشيعة أن الصحابة بكتمانهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في غدير خم هذا موضع بتوليه الإمام علي من بعده وتأييدهم لأبي بكر وعمر أصبحوا ظلماء فسقا فلا تقبل مروياتهم. Ils ont dit, soi-disant, ils disent que le prophète a laissé une recommandation à Ali, fait que le pouvoir revenait à la famille de Ahl al-Bayt, et que les Sahaba, pour supporter Abu Bakr et Omar, ils ont caché cette recommandation.
pour que finalement le pouvoir revienne au Sahaba, Abu Bakr, et dans l'ordre qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'ordre exact. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, comme les Sahaba, ils ont fait ça, c'est tous des fasaqa des ulama. Ils sont tous injustes et des fasaqa et des pervers. Jusqu'à même, certains les ont kafar, les gourous parmi les chiites, ils les ont kafar. Et on retrouve ça dans leurs livres, dans Kulaini, dans Al-Kafi, de Kulaini, de leur imam Al-Kulaini. Wa hada za'mun batilun batilun batilun. Lianna sahabata كلهم عدول وثقات وهم شهداء الله في الأرض. Regardez ce que eux ils disent, c'est faux tout ça, parce que les sahaba, les compagnons du prophète, sont tous les témoins d'Allah sur terre. Regardez hein, ce qu'ils disent de eux. Ils traitent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les insultent, ils disent qu'ils ont caché la vérité, alors que je vais vous montrer, on va citer le hadith rapporté par Muslim Bukhari qui montre que les sahaba sont des témoins d'Allah sur terre. Mais avant ça, on va citer les versets du Coran qui parlent des sahaba. Allah dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah il est satisfait de eux et eux ils sont satisfaits d'Allah. Et Allah il dit de eux as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Les premiers parmi les muhajirin et les ansar qui sont des sahaba radiyallahu anhum, les compagnons. Et ceux qui les ont suivis avec perfection, Allah est satisfait de eux, ils sont satisfaits d'Allah. Donc, les compagnons sont des gens qui ont eu la satisfaction d'Allah. Et regardez, une fois il y a une janaza qui est passée. Hein, un mort qui est passé. Et les sahaba atnaou alayhi khayra. Ils ont dit du bien cette janaza. Hein, de ce mort. Et le prophète a dit wajabat. Le prophète a dit wajabat. Je ne sais pas comment traduire. Wajabat, ça veut dire ainsi soit-il, ou bien c'est pas vraiment comme ça, mais ainsi ça va. Wajabat, c'est obligatoire, ça va se faire comme ça. Et ensuite, il y a une autre qui est passée, et les sahaba atnaou alayha khayra. Cette fois-ci, les compagnons, ils ont dit du bien de cette janaza. Et le prochain a dit wajabat. Alors les compagnons, ils ont dit Rasulullah, ma wajabat. Qu'est-ce qui est wajabat? C'est quoi qui il va devenir, qui incombe? Vous avez dit, الذي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة والتي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض. Ceux, le mort dont vous avez dit du bien, ils rentreront au paradis, et le mort que vous avez dit du mal sur lui rentrera en enfer. Pas parce qu'ils ont dit du bien ou du mal, parce qu'ils ont vu que cet homme connaissait cet homme et sa situation, donc ils ont témoigné en connaissance de cause, et il leur a dit vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Regardez, le prophète dit de eux, ce sont les témoins d'Allah, et le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, il parle sous l'effet de la révélation. C'est les témoins d'Allah, et haoula, ahdahumullah, qu'Allah les guide, ils disent quoi à propos des sahaba? Ils disent c'est des fousaqa, et des dhalama, et des qu'Allah nous en préserve. Et le prophète, dans Sahih Muslim, dit, il dit, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. فوالذي نفسي محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. Il dit n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons, ce que font les Shia. Car si l'un, wallahi, soit dur par Allah, que si l'un d'entre vous donnait la montagne de Uhud en sadaqa, faisait en offrande la montagne de Uhud, ça n'équivaudrait même pas à une poignée de leur sadaqa ou la moitié d'eux. Une poignée, on peut pas, on n'est pas au même niveau des compagnons. C'est des gens, ikhtarahumullah li suhbati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a choisis pour la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez ce hadith, le prophète lui-même dit dans notre hadith, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Les meilleurs des hommes, après les prophètes de cette communauté, c'est les compagnons et ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Et dans Sunan Tirmidhi, Cheikh Al-Albani il a dit que hadith était hassan ou sahih. Le prophète sallam, regardez ce qu'il dit: Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharada fa min ba'di فمن أحبهم فبحبي أحبهم
من أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. سبحان الله. الحديث c'est normal, il croit pas à Mouhim. Le prophète sallam dit Allah, Allah, attention, attention à mes compagnons. Ne les prenez pas, ne les attaquez pas. Je ne sais pas comment traduire ça. Il dit فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ. Ceux qui les aiment, c'est avec mon amour qu'ils les aiment. Et ceux qui les détestent, je les détesterai. Plus ou moins ça la traduction, hein, entre parenthèses. فَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِ. Ceux qui font du mal à mes compagnons m'auront fait du mal à moi. Le prophète parle de lui. Et ceux qui me font du mal à moi aura fait du mal à Allah. Entre parenthèses, aura fait du mal à Allah. Et celui qui a causé du tort à Allah, qui a causé la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien bientôt Allah subhanahu wa ta'ala, il va le punir. Regardez, eux ils traitent les compagnons. Et Abdullah ibn Mas'ud disait حُبُّ أَبِي بَكْرِ وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. عبد الله بن مسعود disait aimer Abu Bakr, aimer Omar et connaître le fait de connaître leur mérite fait partie de la sunna. Pourquoi il dit ça? Parce que les Shia, entre autres, ceux qui ne supportent pas avec Muawiyah, c'est Abu Bakr et Omar. Ils les appellent les idoles de la Mecque. Et l'imam Malik rahimahullah disait, beaucoup de gens ils se prétendent du madhab maliki, ils se retrouvent dans la aqida shia, ils se retrouvent à dire des propos de shia alors que lui dit moi je suis maliki. Il dit kana salafu yu'allimuna awladahum hubba abi bakr wa umar kama yu'allimuna surata min al-quran. Il disait les salaf salih, les premiers musulmans, ils enseigner à leurs enfants l'amour de Omar et l'amour de Abu Bakr comme ils leur enseignaient la sourate, une sourate du Coran al-Karim, pour montrer l'importance d'aimer les compagnons du Prophète. Et ces gens-là, comme, pourquoi c'est une ambiguïté par rapport à la sunna, parce que comme ils disent que c'est les compagnons ne sont pas mérites, sont pas fiables et c'est des hypocrites ou bien des kofars, ils te disent on peut pas prendre les hadiths qui nous ont rapportés. Donc eux ils se limitent qu'aux hadiths rapportés dans leur chaîne de transmission à leurs imams ou à imam. Et donc il y a beaucoup de la sunna du prophète, d'ailleurs ils ont leur livre, et le sunna ils ont leur propre livre. Et donc tout ça c'est les ambiguïtés qui, certains qu'on a cités, qui nous écartent de la sunna du prophète. Donc en conclusion, on voit l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du danger et de la gravité de s'éloigner de la sunna du prophète sallam, de diverger avec la sunna, ou pire, d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces ambiguïtés qui sont en fait des ambiguïtés parce que de par notre ignorance, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous remporte la vérité, cette ambiguïté disparaît. Wa lillahi alhamd. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.